Salut la division, c'est Fossoyeur, je voulais vous parler du petit euh, euh, patch note anglais qui a été traduit euh, par, par un topo, un petit big up à Shizu au passage pour lui. Il a traduit le patch note qui va y avoir demain, mardi 17 octobre, ils vont régler plusieurs problèmes qu'il y a dans le jeu. Donc euh, pour ceux qui ne parlent pas anglais et qui ne veulent pas se casser la tête à ah, les traduire ou chercher, je vais vous faire un, un petit récapitulatif du truc. Donc demain il y aura une correction du problème avec le coffre hebdomadaire qui ne se réinitialise pas le mardi dans l'incursion Lost. Euh, donc euh, le coffre il revenait pas, ils vont régler ce problème tous les mardis, sera euh, réinitialisé euh, à partir de demain. C'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, si vous avez plusieurs clés dans votre inventaire, vous pouvez ouvrir le coffre hebdomadaire jusqu'à le temps que vous n'ayez plus de clés. Euh, les joueurs pourront gagner une clé par semaine et le coffre sera réinitialisé le mardi. Donc on pourra gagner uniquement une clé par semaine pour ouvrir une fois le coffre par semaine actuellement. Là, on peut magasiner 3, 4, 5 clés. On pouvez en avoir plusieurs, donc euh, ils vont nous laisser l'opportunité de pouvoir les dépenser puis quand vous en aurez plus, on retombera dans un cycle de on gagne une clé, on ouvre le coffre, réinitialiser tous les mardis. Il y a une correction du problème où un objectif de mission pouvait rester bloqué sur sécuris sécuriser la zone. Donc, ils vont régler ce petit problème euh, après avoir éliminé tous les ennemis et le dernier boss. Euh, donc, euh, voilà, éliminer tout le monde et il y avait la zone sécurisée. La zone c'était Il fallait recommencer quoi. Ça niquait un petit peu le truc. Euh, la quantité des dégâts pouvait être infligés aux boss est désormais plafonnée. Euh, en fait, c'est pour empêcher les gens qui font les one shot euh, à Martinez et Johnson de one shot. Euh, bon, ils vont plafonner la quantité des dégâts afin que les gens ils puissent plus du tout one shot des boss. Donc ils seront obligés de retrouver une petite technique comme je vous ai mis en fond d'écran qui est en train de tourner. Euh, ils seront obligés de retrouver une, une technique euh, comme ça pour pouvoir euh, terminer euh, le terminer le truc. Bon, ils vont pas le faire seulement pour euh, les, les deux boss de, de la fin. Ils vont le faire pour tous les boss qu'on puisse plus euh, one shot. Il y, 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 y a trois trois endroits de boss dont un endroit, il y en a deux mais sinon les quatre boss on pourra plus du tout one shot euh, bah du coup euh, les boss euh, voilà euh, correction du problème où la difficulté du monde ouvert affectait la mise à l'échelle de certaines compétences des PNJ ennemis correctif du problème avec les directives restant actives et euh, affectant euh, le gameplay du jeu euh, ouais, évidemment euh, on avait, euh, on avait euh, bah, les, les balles électriques, euh, tout, tout le bazar. Euh, il y avait, quand on mettait notre monde ouvert euh, avec euh, cinq directives, on se retrouvait avec euh, les cinq directives euh, dans l'incursion. Ils vont régler le problème. Euh, comme, ça, euh, comme ça, on retrouvera une incursion peut-être un petit peu moins difficile pour ceux qui n'avaient pas capté le truc. Alors il euh, y a aussi correction du problème qui faisait que le coffre final et les boss laissaient tomber des objets exclusifs au raid. C'est-à-dire, euh, on tuait les boss ou dans le coffre, on pouvait avoir euh, tombé, avoir une eagle, une vorace, un rigulus. Euh, voilà, ça, ça sera fini. Ils vont l'enlever. C'était un bug du jeu, hein. ils vont enlever, on ne trouvera plus d'eagle de vorace, ou ou de dans le coffre, c'est terminé, on trouvera seulement les exotiques classiques qu'on connaît dans le jeu. Euh, les, cla les classements seront réinitialisés en raison d'une incohérence euh, dans le suivi des données et des modifications apportées aux boss HP. Euh, oui, bon, alors, les, tous les mecs qui avaient fait du speedrun en one-shot qui ont euh, 6 minutes, 8 minutes, tout ça, ils verront tout leur temps disparaître. Il faudra qu'ils recommencent leur chrono sans pouvoir one-shot les boss. Je pense que ça va leur faire plaisir. Ils se sont cassés les pieds à faire un gros boulot et tout. Euh, chapeau, bien jouer Ubisoft hein. je vois pas je vois pas ce qui est gêné les gênait. Euh, mais bon bref c'est comme ça alors euh, les équipements et, et, et armes mises à jour de la euh, description euh, du correcteur de talent et des pièces de coffre exotiques de collection euh, régénérer automatiquement, euh, automatiquement une grenade toutes les 30 secondes si vous avez moins de deux grenades dans votre inventaire. Alors, une fois que tu auras plus de deux grenades, ça arrête de les régénérer toutes les 30 secondes, comme c'était le cas là. Euh, euh, maintenant, on pouvait avoir trois à quatre grenades et ça les régénérait automatiquement toutes les 30 secondes. Maintenant, il faudra en avoir. Plus que deux pour qu'elles soit régénérée toutes les 30 secondes. Voilà, j'espère que ce petit patch natif vous aura aidé, traduit en français. Vous serez donc tous qui vont faire demain, mardi 17 octobre, sur la Division. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Lâche un petit pouce si ça t'a plu. Ciao, bye.